Chers téléspectateurs, bienvenue sur la Golden TV pour un nouveau rendez-vous de Envoyer la musique. Fougas, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Eh bien, écoute, très très bien. Eh bien, je peux te dire une chose, après le succès remporté le mois dernier, eh bien, je pense qu'on a eu la même idée, c'est de réitérer l'invitation pour nos invités. Vous avez été très nombreux à apprécier cette émission de Envoyer la musique. Alors nous avons décidé, de commun accord avec mon ami Fougas, de faire revenir les mêmes artistes pour votre plus grand plaisir. Alors, mon petit Fougas, sans plus attendre, nous allons partir du côté de... L'Espagne, avec Chavo Berger, qui nous interprète tout simplement. Et viva Espagne! Une magistrale interprétation par Chavo Berger, viva Espagne. Ça donne envie, n'est-ce pas, mon cher Fougas? Oui, oui. Mais à part l'espagnol, moi, je sais aussi danser autre chose. Hein. Qu'est-ce que tu sais danser? Le tango. Le tango? Ah, tu danses le tango seul, toi? Ah oui. Fais-moi un peu un bout de lambada pour voir ce que ça donne. Ah ben voilà, ah ben tu étais pris à ton propre piège, hein, mon cher ami. Alors, ben, pour revenir aux musettes, encore une fois, une excellente chanson, un superbe tango, comme tu l'as très bien dit, très mal dansé, mais très bien dit. Voilà. Tout simplement, ben, il est de retour dans cette émission pour notre plus grand plaisir, Jean-Claude Mistian, qui nous interprète le tango, nous invite. Thank you.
grand merci à notre ami Jean-Claude Mistian. Merci beaucoup, Jean-Claude. Eh bien, voilà, ben, après ce moment de tango, ce moment qui nous a donné envie de danser, ici, nous, sur le plateau, et chez vous, Jean chers spectateurs. Il y a une canaille. De quoi ? Rien. Mais qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Mais non, mais vas-y, en fait. Et l'audace de le refaire, qu'est-ce que tu viens de faire ? Vas-y. Tu dis, j'aurai ta peau, vieille canaille. Ah, vieille canaille, j'aurai ta peau. Ah, 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 d'accord, oui. Ah, oui. Tu veux parler de M. Serge Gainsbourg ? Oui. D'accord. Ah, ben oui. L'idée n'était pas mauvaise. C'était presque ça au niveau des traits et tout. Enfin, quand je vois ce que tu bois, montre ce que tu bois. Montre ce que tu bois. Voilà. C'est de l'eau ferrugineuse. Oui, c'est ça, c'est bon, on connaît la chanson maintenant. Enfin, en attendant, messieurs, dames, voici, c'est vrai, c'est une chanson, ben, Gainsbourg, il a écrit de très, très, très belles œuvres musicales. Et là, pour vous, ben, vous allez avoir la chance d'avoir Freddy Matonnet, qui va vous interpréter un des plus grands tubes de monsieur Serge Gainsbourg, La Javanaise. Freddy Matonnet. Une version revisitée par mon ami Freddy Matonnet, La Javanaise. Eh bien, avant de poursuivre cette émission, dans la joie, dans la bonne humeur, je voudrais vous parler, vous présenter un album. Un album qui n'est autre que Monsieur Roberto De Bruyne. Là, si tu peux me faire un zoom, c'est vraiment super. Voilà. Il interprète vraiment 12 titres. Vraiment, je vais vous les repasser vite fait. Vieillir avec toi, le temps des cathédrales, on fait comme si, l'instinct masculin, je te promets, Diego, j'y vais, en duo avec Anthony Castellana, et un jour une femme, je vais t'aimer, en duo avec Morgane, s'il vous plaît, excusez du peu, et écrit l'histoire, le blues du businessman, et un homme heureux. Voilà, si vous voulez vous fournir, vous procurer plutôt cet album somptueux, croyez-moi, je l'ai écouté, c'est simplement fantastique. Il interprète toutes ses chansons avec la générosité que l'on lui connaît, les chansons qui lui viennent du cœur. Il a une voix aussi d'exception. Ce n'est autre que M. Roberto De Bruyne. Allez visiter sa page Facebook. Vous pouvez lui commander via Messenger. Il est là pour vous répondre avec toute sa gentillesse et surtout
tout son talent. Voilà, je voulais vraiment vous inviter. Et le titre de l'album s'appelle tout simplement Passager 44. Voilà, Roberto Lebrune. Oh, José, qu'est-ce qui se passe? Ils sont revenus. Qui sont revenus? J'aime les filles de chez Castel. Mais tu t'arrêtes jamais, hein. Ils sont revenus. Mais oui, mais je sais qu'elles sont revenues pour ton plus grand plaisir, mais aussi pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs et téléspectatrices, bien entendu. Alors là, ça va être un grand moment, crois-moi bien. Ça va bouger, ça va swinguer dans tous les sens. On les revoici pour un medley de Sylvie Vartan. Plus belle pour aller danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Par toi, je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés, décoiffés par tes mains. Quand la vie refermait ses ailes, j'ai souvent rêvé que dans la soie et la dentelle, ce soir je serai là. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon entre ceinturons. Comme un garçon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections, faut faire attention. Comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Et quand je suis dans tes bras, je ne suis qu'une petite. Nicolas, ma première larme ne fut que pour toi. On était des enfants, notre peine valait bien celle des grands. Nicolas, c'était de l'amour, on ne le savait pas. C'est la vie qui nous prend. Nous emmène où elle veut et où elle va. Si je chante, c'est pour toi, oui pour toi. Ne pleure pas, tu oublieras tes larmes. Il t'a dit je t'aime et tu l'as. Tu pleures car tu l'as vu. Embrasser la meilleure de tes amies.
aujourd'hui qui s'en souviennent quelquefois de mes 10 premières années. Il ne me reste plus rien, pas la plus pauvre poupée, plus rien qu'un petit refrain d'autrefois. Qui fait tourner le monde et refleurir les lilas, en tout cas ce n'est pas toi. Qu'est-ce qui fait chanter les brunes? Qu'est-ce qui fait chanter la lune? Qu'est-ce qui me fera souffrir? C'est pas toi qui peux le dire. On chante pour soigner. Pour soigner mon ami, chanteur et comédien, américain. On chante pour soigner et ses souliers vernis qui marquaient le tempo de son banjo. On chante pour soigner la souris de ma vie, premier amour de mon enfance. Alors puisqu'aujourd'hui si l'on chante, c'est pour soigner. On chante pour soigner, car son ombre me suit. Et près d'elle, on la voit qui danse. Alors, puisqu'aujourd'hui, enfin je suis ici, avec tous mes amis, par cette mélodie. Si l'on chante, c'est pour soigner. Ville interdite, un soir que j'étais perdue, c'est la photo hasard si je l'ai rencontré, ce garçon nommé Lee Wallbrown. Il était magnifique, c'est pas vrai, il était beau, il était grand, avec cette façon de voir les choses comme ça, que je suis tombée dans ses bras. Allez, bye, bye, oui, pour les femmes, tu es le number one. Tu pourras toutes les aimer, car aujourd'hui, moi, je m'en vais. Allez, bye, bye, Lira Brown. Oui, pour les femmes, tu es le number one. Tu pourras toutes les aimer, car aujourd'hui, moi, je m'en vais. Oui, oui, tu pourras toutes les aimer. Aujourd'hui, moi, je m'en vais. Chez un moins vingt heures, j'ai trouvé pour trois fois rien. Vive 20 kilos de vieux disque américain. Comme j'hésitais, le marchand s'est approché. Sur un vieux photo, il a posé le premier. Et il m'a dit, je les garantis, ils sont d'époque du bon temps du swing. Moi, j'aime la musique, mais pas les antiquités. J'allais m'en aller quand un air m'a accroché. Tu-bi-dou-bi-dou-bi-dou-bi-dou-bi-dou-ouais. Je me sentis soudain comme des poules sous mes pieds. Sans permission, mes doigts ont claqué. Ça balançait au montant des suites. Si, 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 j'ai compris pourquoi mon père me jurait que par les autres sisters. Si, 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 j'ai compris pourquoi ma mère le voulait en parlant de frère et sœur. Si, 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 voici tous les parents d'avoir du mal dans le bon temps du suite. Avec moi,
Laetitia Bonafé, Sophie, Pic, Coralie, Kirsten et Héloïse David. Merci les filles. Un grand bravo à vous. Merci les filles. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour Fougas. Fougas. Oui, oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Je présente mon corps de ballet. Ah, c'est ton corps de ballet. Oui. D'accord. Alors, nous, ah oui. Ah, d'accord. Comme on a trop peu de cheveux, tu veux te refaire une petite moumoute avec, c'est ça? Et ça sera bien, tout noir. Comme oui, ça. C'est bien. Allez, vas-y, avance, vas-y. Fais-le alors, c'est bon, c'est bon. Bon. Alors, l'invité suivant, ben, allez, viens, viens près de moi parce que je sais, ça va, ça va, ça va. Viens, viens, viens. Voilà. Je sais que tu es un très grand romantique. Je sais que tu es quelqu'un de très romantique, toi. Oui. Hein? Mais t'es romantique comment? Je peux être romantique avec tout ce qu'on veut. C'est-à-dire? Avec moi? Précisément, j'aimerais mieux d'être romantique avec Erika. Ma princesse. Ta princesse, eh bien évidemment. Eh bien voilà, de retour de nouveau, notre princesse, notre marraine de l'émission. La princesse Erika, qui nous interprète tout simplement une chanson d'Alerte de l'Orme, romantique avec toi. Voilà, Erika, princesse de l'accordéon, qui nous fait l'honneur d'être la marraine de cette émission. Envoyez la musique. Et Erika, oh, bien entendu... Ma attends, ah oui, je sais, ta princesse, mon petit Fougas. Eh bien, ta princesse, justement, elle a vendu, écoute-moi bien, pas moins de 25 000
album, ce qui fait qu'elle a été disque d'or, même plusieurs fois, je vais dire. Donc d'autant plus, c'est un honneur de l'avoir comme marraine ici, chez nous, pour la Golden TV. Et ce sera toujours un plaisir de l'accueillir. Et je pense qu'elle viendra nous faire un petit coucou très souvent, car je pense que nous l'apprécions, mais vous l'appréciez aussi, vous, cher public. Alors maintenant, mon petit Fougas, pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus sérieux, si je te dis qu'il s'agit d'un grand film d'amour, d'accord, qui a été diffusé dans les années 70 à peu près, d'accord. Dans ce film, il y avait ce film s'intitulait tout simplement Titanic. Mais non. Oui, d'accord, il y a celui-là, mais il y a un autre film aussi où ça parle énormément d'amour. Ça parle des bois. Mais non, simplement Love Story. Et alors, dans ce film merveilleux, il y a une bande originale qui n'est autre que Une histoire d'amour. Alors, Une histoire d'amour, c'est interprété aujourd'hui avec le cœur et c'est interprété aussi à la façon de Monsieur Benoît David. Thank you.
Une merveilleuse mélodie interprétée par Benoît David, une histoire d'amour. Qu'est-ce que ça fait du bien, chers téléspectateurs, d'avoir un peu de tendresse, un peu d'amour. Ça évoque pas mal de souvenirs. Et en même temps, nous sommes aussi très heureux de pouvoir aussi faire partager ces émotions avec vous. Alors, mon petit Fougas, pour poursuivre, nous allons réaccueillir. Il nous a fait l'honneur de bien vouloir revenir parmi nous. Lui, c'est le roi. Le roi de l'accordéon. De l'accordéon, qui va nous interpréter un morceau d'accordéon. D'accord, ça c'est très bien. Merci mon Fougas, c'est très bien. Donc, pour vous résumer, c'est une chanson qui à la base a été interprétée par monsieur Engelbert Humperdinck. Et puis, ici, comme quoi la musique n'a pas de frontières, André a voulu tout simplement en faire une version un peu plus italienne, un peu plus aussi dans l'amour, un peu plus cosy. Donc voici pour vous, Quando mi m'innamoro interprète... Redis-le. Un morceau d'accordéon. Quando mi m'innamoro par André Lope. André Lope pour cette magistrale interprétation. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, maintenant, continuons un peu dans ces chansons un peu nostalgiques, ces chansons un peu latino, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Fougas ? C'est magnifique. C'est magnifique, hein ? Et alors, si je te dis, un monsieur qui se dandinait un petit peu comme ça, par-ci, par-là, mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais faire le monsieur qui dandine. D'accord. Où est passé ma bohème ?
Oh là là, toi tu vas te faire ramasser, mon ami. C'est quelque chose. Viens vite derrière ton bar. Oh là là, je te dis pas ce que tu vas prendre par après toi. Oh là 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 là. C'est vrai, effectivement, c'est une chanson interprétée normalement par Louis Pic. Où est passé ma bohème, Louis Pic. Le temps qui passe, jamais n'efface les souvenirs des beaux jours passés. Folle jeunesse, toi qui me laisses tant de tendresse et de regrets. Où est passée ma bohème? Où sont passés les beaux jours, les nuits bercées que je t'aime et les poèmes d'amour? C'est le temps des romances, c'était le temps des discours, des choses sans importance. Pourtant j'y pense toujours, pourtant j'y pense. Folle jeunesse, toi qui nous laisses tant de tendresse et de regrets. Où est passée ma bohème? Où sont passés les beaux jours, les nuits bercées de je t'aime et les poèmes d'amour? Les souvenirs me reviennent aussi brûlants qu'autrefois. Mon cœur est toujours le même, car ma bohème, c'est toi. Car ma bohème, c'est toi. Louis Pic dans cette merveilleuse interprétation de Où est passée ma bohème. Le big boss. Oui, ça va, c'est bon, ça suffit. Garde à vous. Repos. Alors, mon petit Fougas, maintenant, une autre interprétation. Ah, je la connais aussi, je la connais. D'une certaine môme. Je la connais. Tu la connais? Ah oui, j'ai été à l'école avec. C'est vrai? Oh oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a appris de beau? À chanter? À chanter. Montre-moi. Padam, padam, padam. Oh là là. Qui allait de vieux chemin? De bois. De bois. D'accord, abcès à toi. C'est très bien, mon petit Fougas. Alors, mis à part, il faut toujours que tu mettes la cerise sur le gâteau, hein, au moment opportun. Alors, chers téléspectateurs, veuillez excuser mon alter ego ici, mais voilà, il a de temps en temps quelques pulsions. Je te vois, arrête de boire. C'est pas bon pour la santé. Je ne bois pas, c'est pas moi. J'étais là, je priais. Oui, c'est ça. Attends une minute. Tu verras tout à l'heure, toi. Donc, chers téléspectateurs, je voulais vous dire que cette
dame, la môme Piaf, était imprégnée de cette chanson et la vivait tellement bien. Aujourd'hui, elle est interprétée par Tchavo Berger et c'est tout simplement un morceau de circonstance. L'accordéoniste, Tchavo Berger. Une interprétation vraiment, vraiment très, très généreuse, très talentueuse. Je suis fier et heureux de le compter parmi mes amis. Maintenant, c'est M. Tchavo Berger qui vous a certainement ému aussi chez vous par cette interprétation de l'accordéoniste. Une chanson qui lui tenait vraiment à la peau. Et je pense que tu seras de mon avis aussi, Fougas. Ça a vraiment été interprété. C'était un très beau moment de musique partagée. Dis-moi, mon petit Fougas. Ben je ne sais plus maintenant, je voulais te dire quelque chose et puis maintenant je... Ah, tu ne sais plus. Je ne sais plus parce qu'ils tous ils crachent sur nif et puis tous ils crachent sur nif, je ne me rappelle plus. Oui, mais tu ne te souviens plus de quoi? Mais non, mais c'est ce que je voulais dire. Ah, d'accord, oui, d'accord, je vois par où tu fais le rapprochement, d'accord. Oui, tu veux parler de la chanson suivante. Ah, peut-être. Qui s'intitule « N'oublie jamais ». N'oublie jamais. Tu as retenu ça maintenant? Oui. Ok, tu as retrouvé la mémoire? Oui. Bon, tu as la mémoire qui flanche, tu ne te souviens plus très bien. Hein. Bon, alors mon Fougas, ok. Bien vu, évidemment, encore une fois, pour cette pêche que tu m'as tendue, évidemment. Alors, nous allons retrouver, sans plus attendre, Jean-Claude Mistian dans « N'oublie jamais ».
Merci beaucoup à Jean-Claude Mistian pour cette superbe interprétation de « N'oublie jamais ». Eh bien voilà, chers téléspectateurs, si nous pouvons contribuer à vous mettre un peu de souvenirs, remonter dans vos souvenirs et surtout rester et faire remonter pour vous, pas de la mélancolie, non, ni de la tristesse, ni quoi que ce soit, mais simplement vous aider à remonter dans le temps et refaire ce merveilleux voyage musical que nous vous proposons avec cette nouvelle émission de Envoyer la musique. Fougas, ça va ? Ça va. Continue comme ça. Tu me fais très bien. Mais non, qu'est-ce que tu fais, toi, là ? Ben, je m'assieds un peu. Tu t'assieds pourquoi ? Mets-toi debout. Voilà. Assieds-toi. Je suis un homme debout. Tu es quoi ? Un homme debout. Mais dis donc, toi, tu étais dans les pouvoirs un peu spectaculaires, là. Oui. Viens me rejoindre. Comment t'as deviné le titre de la chanson qui allait suivre ? Ah ben, j'ai pas deviné. Qu'est-ce que t'as fait ? C'est marqué ici. Ah, d'accord, évidemment, ben oui. Bon, alors, mon petit Fougas, Un homme debout, là, c'est une chanson où on va remonter, là, maintenant, plus dans les chansons un peu plus actuelles. Vous allez reconnaître ça. Et c'est interprété par Freddy Matonnet, Un homme debout. Freddy Matonnet, Un homme debout. Ben vous voyez comme quoi le musette peut s'accorder vraiment avec tous les styles de musique. Eh bien, sans plus attendre, retrouvons Benoît David, n'est-ce pas, qui va nous interpréter une superbe chanson. Hein,
un air de Musette, justement. Hein. Donc, cette chanson s'intitule tout simplement « Le retour des hirondelles ». Benoît David. David, le retour des hirondelles, une magistrale interprétation. Croyez-moi, ce n'est pas du tout donné à tout le monde, évidemment, de pouvoir donner et interpréter des airs, des classiques du Musette. Et là, nous avons la chance d'avoir une palette d'artistes ici, tous au plus exceptionnel. Je suis persuadé que vous pensez la même chose que moi à la maison. Et alors, pour la petite anecdote, Benoît David, c'est un petit peu une histoire de famille comme la famille Pic. Vous savez, il travaille en famille, il est lui-même artiste, mais il a aussi une fille, une grande fille qui le suit dans cette belle aventure musicale, dans cette belle aventure du spectacle, dans cette grande famille. Et aujourd'hui, va nous interpréter une superbe chanson de Céline Dion, « S'il suffisait qu'on s'aime », Héloïse David. Je rêve son visage, je décline son corps. Et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire lire au fond de mes pensées? Mais comment font ces autres à qui tout réussit? Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime. S'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve d'éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché. Qu'on
des larmes me rongent, que d'autres ont versé. La vie n'est pas étrange, mon île est sous le vent. Les portes, les cintres et les cris, mais m'enfermant dans un jardin enfant sur un balcon des fleurs. Ma vie paisible où j'entends battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présage des malheurs. Quelles armes répondent au pays de nos peurs? S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si on changeait les choses un peu et tout recommençait, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu et tout recommencer. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde. S'il suffisait d'aimer. Ah, la jeunesse, la voix, le talent, bien entendu, Héloïse David. Héloïse, c'est une grande histoire. Héloïse fait partie du Peak Show Company, comme j'ai pu vous le dire précédemment. C'est une jeune fille qui a plein de talent, évidemment. Chanson interprétée et écrite surtout par pas n'importe qui, Monty Fougas, par M. Jean-Jacques Goldman en personne. Donc, crois-moi que c'est vraiment quelque chose qui est impeccable. Revoici notre marraine de notre émission Envoyez la musique, avec un air endiablé de monsieur Gilbert Montagnier. On va s'aimer.
Monica, la princesse de l'accordéon. Voilà. Eh bien, chers téléspectateurs, ben, nous arrivons tout doucement à la fin de notre émission, ici, cette fois-ci. Mais si. Mais si. Mais non. Mais, oh mon Dieu, la voix du Christ. Eh bien, voilà, retrouvons tout de suite notre ami André Lope, qui vous interprète un morceau musical, mais de circonstance dans le titre, « Vacances à la Cola ». André Lope. Voilà, mon cher Fougas, je vais te demander de venir me rejoindre si tu veux bien. Ben, je ne sais pas ce que tu penses, mais moi, je pense que nous nous sommes vraiment très, 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 très bien amusés. Nous avons passé un agréable moment le mois dernier, évidemment, avec ces merveilleux artistes, tous au plus talentueux les uns que les autres. Je ne sais pas, toi, ce que tu en as pensé. Tu as passé un bon moment avec nous ? Oh, excellent. Oui ? Monte un petit peu là plus haut, voilà. Voilà. Excellent. Excellent. Alors, ce qu'on peut dire là maintenant à nos amis téléspectateurs, ben, écoutez, prenez bien soin de vous. C'est super important. Au plus tôt, nous pourrons refaire des émissions en public, au mieux ce sera pour nous. Donc, prenez bien soin de vous. Ayez toujours la banane, le sourire, parce que c'est ça, finalement. Si on n'a pas le sourire, on n'a pas la santé non plus. Tu es bien mon ami, mon petit Fougas. Tout à fait. Alors, bien, nous vous donnons rendez-vous en septembre prochain. Nous allons souhaiter d'agréables vacances à tout le monde, n'est-ce pas ? Oui. Donc, il nous reste tout simplement à vous souhaiter d'excellentes vacances. À vous, mesdames.
À vous, mesdemoiselles. Et à vous, messieurs. À bientôt.